bonne nouvelle vidéo. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Aujourd'hui, je vais vous faire un j'accepte et mon cœur est ouvert avec ma mère. Donc voilà, je pense qu'on va bien rigoler aujourd'hui. Alors, petite parenthèse, faites pas gaffe à mon bouton qui est sur mon nez, il est horrible. Mais bref, on fait avec, hein. Dans tous les cas, il va partir un jour. Donc on fait pas gaffe. Et aussi, faites pas gaffe à la voix de ma mère. Elle est en mode de waouh, bancale. J'ai la voix un peu cassée. Un coup elle revient, un coup elle part. Donc on fait pas attention à ça non plus, hein. Mais voilà, donc on commence. Ouais, vas-y, commence en première. Ok. Bon, alors pour commencer, j'en ai marre que tu inventes des mots quand tu parles. H24. Tu me sors des trucs des fois, ça veut rien dire, c'est pas français. Tes phrases, faut limite qu'on les remette nous dans l'ordre. Il y a rien qui va. Et donc on dit quoi? J'accepte et mon cœur reste ouvert. Voilà. Mais non, genre c'est normal. Tu pourrais limite inventer ton propre dictionnaire. Mais vraiment. Vraiment, genre, mais il faut sachez que c'est la vie de parler pas français. Genre, bien okay. Sûr que oui. Bon, bref, donc tu acceptes et ton cœur reste ouvert. Ouais, malheureusement. Bon, à toi. J'en ai marre que tu dis on verra alors qu'on sait tous que ça veut dire non. Tu dis soit oui, soit non. Vraiment, genre, arrêtez de dire H24, on verra. Oh, dites-nous directement, j'en peux plus. Bon d'accord, j'accepte et mon cœur reste ouvert. Alors moi j'en ai marre que quand tu me dis maman je vais prendre ma douche, que tu mettes une heure à vraiment aller prendre ta douche. Tu me dis maman je vais prendre ma douche et tu te balades dans l'appart pendant une heure, tu fais je sais pas quoi avant d'aller prendre ta douche. Si tu me dis je vais prendre ma douche, mais va prendre ta douche maintenant tout de suite, mais pas bah, une heure à y aller. Des fois je suis là en mode ah bah t'es encore là, ah bah oui je faisais ça, mais t'es pas dans ta douche. Arrête de mettre une heure à aller dans ta douche, quand tu le dis vas-y directement. J'accepte, mon cœur reste ouvert. Bon, à toi. J'en ai marre, mais vraiment marre que genre t'arrives H24 en retard, genre le rendez-vous il est à 13h, tu te prépares à 13h moins 1. Pourquoi faire? Pourquoi faire? J'avoue. Donc vraiment, vraiment, arrête d'arriver en retard. Car à cause de toi là, j'ai pris tes gènes. J'ai pris H24 en retard. J'avoue. J'en ai marre, s'il te plaît. Et quand après, j'arrive à l'heure, on me dit ah c'est bizarre. Pour une fois, t'es à l'heure. Vraiment. Ouais. Donc, bah après, t'arrives en retard. Non mais, il y a aussi les gènes de ton père hein, pour le retard. Il y a pas que les miennes. Hein. Y a pas que mes gènes, hein. Je suis pas la seule fautive. Bon bref, j'accepte et mon cœur reste ouvert. Alors, j'en ai marre que quand tu sors du collège, tu m'envoies des snaps pour me raconter tout ce qui s'est passé. J'ai à peine le temps de les écouter, que tu es déjà rentrée, et tu me re-racontes ce que tu m'as raconté dans les vocaux snaps. Ça sert à quoi? Tu peux non. Me raconter tout ça quand tu rentres. Non, pourquoi tu mens? Non, non. Je mens pas, avoue que c'est la vérité. Tu m'envoies des snaps pour me dire il s'est passé ci, il s'est passé ça, dinguerie machin. Genre en mode, je te fais les snaps genre devant le collège pour pas oublier, pour après genre te les redire. Genre c'est en mode de... Mais non, arrête de faire ça, c'est plus possible. Et en plus t'écoutes mes snaps donc... J'ai pas le temps de les écouter que t'es déjà rentrée en fait. Pas le temps, tu fais touc 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 touc. J'ai pas le temps. Ou alors des fois tu m'envoies des snaps, tu m'appelles direct après. Laisse-moi le temps d'écouter ce que tu m'as envoyé avant de m'appeler. Et tu ne t'es écouté? Bah non, j'ai pas eu le temps en fait. Ah, c'est trop long à répondre. Pour moi, tu mets plus de 20 secondes, c'est bon, je t'appelle. Non mais c'est ça en fait. Tu respires plus. Donc on dit quoi? J'accepte et mon cœur reste fermé. Non, c'est pas ça. J'accepte et mon cœur reste ouvert. Voilà. Bon, à toi. Ouais. D'accord. J'en ai marre. Que quand je t'envoie un message, soit tu me fais des vues. Non. Fallait que ça sorte. Soit tu fais. Non. On va se calmer quand même, hein. Allez, tranquille. J'en ai marre que j'ai des vues ou des ok avec un seul K en mode bien aigri.
mais plusieurs cas. Et après, quand je t'ai fait la remarque, tu mets des 20 cas derrière, ok? Pour quoi faire? Genre, donc tu mets 2 cas comme moi je fais pour paraître moins aigri. Non, mais t'es fatigante. Mais j'accepte et mon cœur reste ouvert. Ok, vas-y. J'en ai marre que quand je te demande de faire quelque chose, tu me dis, je ferai ça après. Sauf que le après, ça peut être 2, 3, 4, 5 heures après en fait. J'accepte et mon cœur reste ouvert. Alors j'en ai une moi. J'en ai marre que quand tu vois une araignée quelque part, que tu m'appelles. Ça sert à quoi de m'appeler? J'ai autant peur que toi, voire plus. Donc moi, je peux rien faire pour toi dans ce moment-là. Donc ne m'appelle pas quand tu vois une araignée. Je suis pas là. Et bah, je fais comment? Et bah, tu te débrouilles, mais moi, je suis pas là en fait. Tu te débrouilles, Virginie. On va m'appeler. Voilà, tu te débrouilles. Non, mais je fais comment? Je sais pas. Mais déjà, heureusement voilà. Heureusement que mon père était là. Quand t'as eu l'araignée dans ton lit, on a partagé ça sur Instagram. Genre, elle était comme ça et dans mon lit, en mode... Elle a dormi avec toi et tout. Mais bref, voilà, arrête de m'appeler. J'accepte et mon cœur reste ouvert, même si je continuerai de le faire. Non, tu ne m'appelles pas, je suis pas là. J'en ai marre qu'à chaque fois, dès que tu vois une araignée, tu hurles dans toute la maison. Du coup, tout le monde t'entend et du coup, après... Moi, je dois me dépêcher pour prendre un truc pour que tu puisses la tabasser. J'en ai marre, tu te débrouilles. Mais t'es pareil. Donc, laisse-moi tranquille. Voilà, bienvenue au club. Mais j'accepte et mon cœur reste ouvert. J'en ai marre que tu sois maladroite. J'en ai marre que tu fasses toujours tout tomber. Ou que tu casses quelque chose, ou que tu renverses un truc, ou que... Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Je suis pas assez sûre que ça... Ça rien passé, je crois. J'en ai marre. Mais vraiment. J'accepte et mon cœur reste ouvert, hein. J'en ai marre, mais vraiment marre, que quand je rentre du collège, genre, vous pensez directement aux devoirs que j'ai à faire et aux révisions. Genre, j'en ai marre, laissez-moi respirer au bout d'un moment. Toute la journée, je suis en cours. Le soir, j'ai pas à refaire 4 heures de travail. Bah, dites ça au prof. Bah, il s'en fout. Eh bah, voilà, tu dois faire parce que ce oui, que tu dois faire. Le pire, c'est que mardi, là, qui va arriver, j'ai un contrôle de physique, peut-être en anglais, après j'ai certification PIX, et j'ai mon oral toute la même journée. À comprendre. J'ai envie mais de... Mais moi, j'y suis pour rien. Tu as ça à faire, tu le fais. Mais bon, j'accepte et mon cœur reste ouvert. Et moi, j'en ai marre que quand tu as des devoirs à faire, tu me dis, j'ai rien à faire. Bah, des fois, c'est vrai. Non. Et des fois, je te... Genre, t'as jamais de révision à faire? Après, des révisions... Ou quand je te dis, c'est bon, t'as révisé? Tu oui. me dis oui. Et quand je vois les notes, bah, t'as pas révisé, en fait. Si. Si. Non. Tout le temps. J'ai accepté, mon cœur reste ouvert. Hein. J'en ai marre que quand je ne verrouille pas mon téléphone, tu en profites pour le prendre et pour aller sur TikTok. Alors que je t'ai enlevé TikTok de ton tel, comme il y a les cours, le brevet, tout ça, ouais. Pour pas que tu passes ton temps dessus. Mais dès que je pose mon tel quelque part, si je ne le verrouille pas, parce que oui, Kéliane connaît pas mon code de mon téléphone, sinon elle me le piquerait H24, donc c'est pas drôle. Mais dès que je pose mon téléphone quelque part et que je le verrouille pas, tu me le prends pour aller sur TikTok. Bah ouais, pour je me mets sur mon compte TikTok pour remettre mes publications à jour en fait. Mais non en fait, bah, si. C'est mon téléphone. J'ai accepté, mon cœur reste ouvert. J'en ai marre de pas avoir mes écrans quand je veux. Genre, vraiment, de plus avoir TikTok, de plus avoir Instagram, j'en ai marre, mais vraiment marre. De pas pouvoir regarder une série, genre, quand je veux, comme après manger ou autre. Stop, j'en ai marre, en fait. Et ah oui, j'en ai marre. Que tu prennes mon téléphone la nuit, laisse-le-moi, laisse mon téléphone avec moi la nuit. Genre. Alors, je m'exprime. Je... Toi. Je lève la main, le doigt.
je crois que tu as un brevet dans un très peu de temps. Ah, le brevet. Oui, le brevet, je crois, non? Ah, j'avais oublié. Voilà. J'avais Voilà oublié. Le pourquoi du comment. Ça veut dire que pendant les vacances, je pourrais, entre guillemets, les avoir, récupérer TikTok, Instagram, mon PC, téléphone la nuit. Eh ben écoute, on verra si tu as ton brevet. Au revoir. Et en fait, oui, quand Kélia poste sur Instagram, elle poste de mon téléphone. Oui. Voilà. Mais si jamais je te laissais tout ça quand tu voulais, tu ferais plus rien. Je fais déjà Jacques, rien. Jacques, tu fais pas grand chose. Non, en vrai. Non, tu viens de le dire en plus, oui, je fais déjà rien. Mais donc en tu vois. Vrai, genre, tu peux me laisser mes réseaux comme je fous déjà rien. Non, bah justement, non en fait. Je sais que tu fous rien. Voilà. Donc, donc, tu n'as pas le droit d'avoir ce que tu veux. Tu. Comment dire? Pas contente, pas contente, pas contente. Comment dire? Tu ne mérites pas d'avoir tes écrans, tes réseaux, tout ça quand tu veux. D'accord. J'accepte pas que mon cœur est fermé. En plus, je crois que c'est à moi. J'accepte et mon cœur reste ouvert. Et moi, j'accepte pas que mon cœur reste fermé sur ce que tu viens de dire. Non, parce que c'est la vérité. Ah. J'en ai marre que tu aies la flemme de tout. J'accepte et mon cœur reste ouvert, hein. Franchement, en plus tu dis ça, mais t'es la première à avoir flemme. Non mais là c'est un contre, c'est un but contre son camp. Genre, la meuf, quand on l'appelle, j'ai la flemme. Non mais, genre, alors, arrête d'avoir la flemme. Non mais, les mamans, donc, les mamans. J'accepte pas là. S'il y a des mamans qui regardent la vidéo. Non, là, c'est le pire but contre son camp. Avouez qu'on en a marre d'entendre 50 fois des mamans dans la journée pour bah rien. Maman vient voir. Mais alors c'est normal. Attends, donc nous on vient voir. Et c'est pour des conneries à chaque fois. Non, c'est des conneries à chaque fois. Donc oui, j'ai plus envie de venir quand tu m'appelles, flemme. D'accord. Mais c'est pas la même chose. Toi t'as la flemme de tout. Fais la vaisselle, flemme. Fais tes devoirs, flemme. Révise, flemme. Range ta chambre, flemme. Tout flemme. J'en ai une. Attends. Mais bref, j'accepte et mon cœur reste ouvert. Voilà. Je l'ai perdu. Ah bah ça c'est dommage. J'en avais une moi aussi mais je sais plus. Ah oui, j'en ai marre que c'est tu aies. C'est le jour d'aujourd'hui. J'en ai marre que tu aies gâché. Attends, j'en ai marre que tu aies gâché ton année 3ème pour rien. Alors que tu as les capacités pour. Même les profs le disent. Ah voilà. J'accepte mon cœur reste ouvert. J'en ai marre que vous me faites H24 la morale des cours. Alors que ça, c'est bon, j'ai compris. Mais je changerai pas. Je changerai pas. Donc, stoppez en fait. Quand t'as la flemme de changer en fait. Du coup. Bah, je continuerai à te faire la morale. J'accepte mon cœur reste ouvert, on doit dire. Je continuerai de te faire la morale. Oh, du coup, maman. J'accepte et mon cœur reste ouvert. Bravo. Alors, j'en ai une. J'en ai marre, mais vraiment marre, que genre tu parles comme Jones, en mode incroyable et tout. Hey, c'est bon, t'es une vieille, arrête de parler comme une Jones. Mais ça, c'est de ta faute. Je t'entends H24 parler. H24, ouais, Toby, H24. Je t'entends parler H24. Donc en fait, à force, bah, les mots que tu dis rentrent dans mon cerveau. Il est tout. Et donc, je redis la même chose que toi. Mais stop frère, t'es pas une jeune. Bon ça va, je suis pas vieille non plus hein. Mais c'est ta faute. Oui bien sûr. Arrête de parler comme ça à la maison. C'est à cause de TikTok tu veux dire. Non, c'est ta faute je te jure. En fait je redis tous les trucs que tu dis. Ok cool. Dis pas que c'est pas vrai, c'est de ta faute si je parle comme ça. Bref, c'est à accepte, force de t'entendre. Accepte. J'accepte et mon cœur reste ouvert. J'en avais une, je sais plus c'est quoi. J'en ai marre que tu sortes toujours des nouvelles expressions ou des nouveaux mots ou des nouveaux trucs. On sait même pas d'où ça vient. Bah en fait... Attends, j'ai pas fini. Wow, en ce moment, elle nous sort tout le temps des « Oh waouh !» pour rien. Genre, elle me voit arriver dans sa chambre « Oh waouh !» On se croise dans les pièces « Oh waouh !» Tout le temps « Oh waouh !» Pourquoi ? Même en cours, je fais que dire « Oh waouh !»
Mais pourquoi tu dis oh waouh tout le temps? Je sais pas, c'est mon mot favori, je trouve. C'est pas un mot, c'est... Au lieu de dire OP, je sais pas quoi, je dis oh waouh. C'est moins vulgaire au moins comme ça, c'est en mode de... En mode de quand je vois un truc moche, en mode oh waouh. Un truc trop bien. Voilà, oh waouh. Et j'accepte et mon cœur reste ouvert. Voilà. J'en ai plein pour moi et pas pour toi. Attends, moi je réfléchis. J'en ai marre que tu ne veux pas acheter mon chat. Genre, mon chat, genre j'en ai marre. Un jour, je vais arriver avec mon sac à dos et j'aurai un chat dedans. Tu vas rien comprendre, je vais le cacher. Mais un jour, je vais le faire. J'ai sorti un chat en mode, oh waouh, un petit château. Non, je crois pas, non. Donc voilà. J'accepte et mon cœur reste ouvert. Mais il n'y aura toujours pas de chat. Mais MDR, j'en ai marre que dans tes messages, au lieu de mettre un emoji MDR, tu mets ha ha ha. Maman, hi hi hi, ha ha ha. Mets l'emoji MDR, lol. Mets l'emoji MDR. On n'est plus en 1000, je sais pas combien. C'est bon, ça a évolué. Donc c'est bon, il y a des emojis. Tu utilises les emojis. Genre, on met, tu mets l'emoji MDR qui est l'arme aux yeux. Et t'as... J'accepte et mon cœur reste ouvert. J'en ai un dernier pour la fin, je pense. J'en ai marre de toi, tout simplement. Simple, efficace. Bah, j'en ai un moi aussi. Ah. Moi aussi, j'en ai marre de toi. Parfait. On fait comment? On en a pour la vie entière à supporter. Quel dommage. Ça va être compliqué, hein. Je sais pas comment qu'on va faire. Mais on va y arriver. Ouais, on va y arriver. Bon, bref, je pense qu'on a plus d'idées, là. Non. Je pense qu'on a fait le tour. Je pense. Je pense. Ouais, je crois. Attends, je réfléchis. Je crois que j'ai tout dit sur toi. Hein. Après, tu vas voir. Moi, je pense que... Plein. Ouais, c'est ça. Après, on aura plein d'idées. Mais là, je pense qu'on a... J'ai plus d'idées, là. Moi non plus. J'ai plus. Mais bref. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous à tous.